Alpha, bonjour. Bonjour. Alors demain, tu fais ton deuxième combat professionnel à Arès. Déjà, dis-moi, comment est-ce que tu sens? Je me sens bien. Je suis en pleine forme. Donc, tu affrontes demain Badr Medrouki, un combattant qui a trois combats, trois victoires. Qu'est-ce que tu penses de ton adversaire? Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'échanger un petit peu. Est-ce que tu pourrais me dire ce que tu penses de ton adversaire? Je pense que c'est un bon adversaire. C'est un bon step-up par rapport à mon premier combat. Donc, il a beaucoup plus d'expérience que moi dans les MMA. Moi, ça fait qu'un an que je fais du MMA et j'ai un combat, une victoire. Donc, je pense que ça va être un très bon adversaire. Et je suis prêt, si j'ai accepté le combat, c'est que je suis prêt et que je me sens capable de gagner. Mm-hmm. Et donc, tu t'es préparé par rapport à lui. Est-ce que ton équipe et toi avaient changé ton entraînement ou bien tu t'es toujours entraîné comme d'habitude pour cet adversaire? Justement, donc là, ça fait. Faut savoir que mon premier combat, c'était un adversaire que j'ai eu en short notice. Donc c'était pour un premier combat des MMA, un ceinture noire brésilien, black belt, donc, qui m'a fait beaucoup d'amener au sol. J'ai réussi à m'en sortir et à la fin il a abandonné. Et là c'est complètement différent, c'est que là ça fait des mois que je connais cet adversaire. Du coup je me suis vraiment préparé pour cet adversaire. Avec notamment Fernand Lopez, Benjamin Sarpati, Kamel, toute la team quoi, de Rhino Factory. Et donc le dernier combat que tu as fait, est-ce que ça t'a entre guillemets forgé? Ça m'a beaucoup forgé parce que... savoir qu'avant ce combat-là, ça faisait 3 ans que je n'avais pas combattu en anglaise. Donc je suis venu directement dans le MMA, ceinture noire brésilien. J'étais vraiment sur mes appuis, j'envoyais les coups, je restais du coup. Parce que j'envoyais mon bras arrière, j'ai vu qu'on me ceinturait, qu'on me ramenait au sol. Voilà, donc je suis vraiment rentré dans le bain, on va dire. Ça m'a vraiment rentré dans le bain et j'ai compris qu'il ne faut plus aller au sol. Et là, justement, pour cette prépa, on a beaucoup travaillé le sol, la lutte, etc. Mais du coup, demain, on ne te verra pas engagé au sol. Si, je pourrais être engagé au sol. Là, avec la prépa que j'ai eue, je pense que je pourrais être engagé au sol. Et donc, pour la suite, pour parler un peu du futur, où est-ce que tu te vois dans quelques temps? Est-ce que tu souhaites rester à Arès, essayer de choper un title shot, ou bien tu veux voir au-delà de ça? Après, c'est l'objectif de tout sportif compétiteur, c'est que lorsqu'il s'engage dans un championnat, là en l'occurrence Arès, c'est pour performer, donc atteindre le plus haut niveau. Et le plus haut niveau, c'est quoi? C'est la ceinture. Donc là, je ne me concentre pas sur la ceinture, je me concentre sur mon combat de samedi. Et si tout se passe bien, là, on pensera à step-up à chaque fois. Donc là, par rapport au premier combat, c'est un step-up. Et là, si tout se passe bien samedi, pareil, ce sera un step-up. D'ailleurs, c'est la deuxième fois que tu ouvres la carte. C'est ça. Est-ce que par rapport à ça, tu n'as pas un petit peu de pression d'être, on va dire, le premier combat de la soirée? Je l'ai déjà eu avant, donc là, je l'ai un peu moins. Enfin, beaucoup moins. Et ça va être complètement différent, je pense. Enfin, ça va être différent, ça va être, je serai plus à l'aise, quoi. Très bien. Écoute, merci beaucoup. Merci. Est-ce que tu aurais juste un petit pronostic à nous donner pour demain? Tout se passera dans la cage. Franchement, je n'ai pas de pronostic. Et... que le meilleur gagne en tout cas.